Cher inconnu, je n'ai aucune idée de qui tu es, mais si tu lis cette lettre, c'est que tout a fonctionné comme je l'espérais. Moi, je suis quelqu'un du passé, enfin de ton passé. J'ai trouvé un moyen de t'écrire. Si tout va bien, j'écris cette lettre 100 000 ans avant que tu la lises. Et je voudrais et je vais te raconter mon époque. Par où commencer? Il y a des gens qui sont normaux, ils mangent 3 ou 4 fois par jour, ils travaillent et mènent une vie confortable et heureuse. Et puis, il y a les gens importants qui ont marqué l'histoire, comme les stars ou les politiciens. Ces gens sont connus dans le monde entier. Ils sont souvent très riches et même ivres de pouvoir. Puis, il y a l'inverse, les pauvres. Ce sont des gens qui n'ont pas assez d'argent pour vivre et qui dépensent leur vie à demander de l'argent aux personnes plus riches qu'elles ou à travailler très dur sans pouvoir s'en sortir. Je trouve ça vraiment injuste. J'espère que la vie dans votre monde sera beaucoup plus harmonieuse et simple. Au siècle qui me précède, les humains ont commencé à construire beaucoup, à construire des déchets dangereux et malfaisants pour la nature. Cela a causé énormément de dégâts à la planète. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup se sont engagés pour renverser notre erreur. Mais les habitants se sont habitués à cette pollution et ce sera dur de les faire changer d'avis. J'espère vraiment que pour vous, ce sera réglé. Et puis, il y a l'un des plus grands malheurs de l'humanité, le racisme. C'est très long à expliquer, mais je vais tout résumer. La peau de l'homme peut être de différentes couleurs. De ce phénomène naturel, l'homme a étrangement déduit qu'une couleur, la sienne, était supérieure aux autres. Il a aussi voulu soumettre les hommes d'une autre couleur que lui. De ce racisme sont nées de nombreuses guerres destructrices. Mais de tout cela, tu dois te dire, quel horrible monde! Heureusement que je n'y vis pas! Mais ne t'en préoccupe pas. Il y a d'innombrables qualités comme l'amour, l'amitié, les vacances, la joie, les bretzels et la vie. J'espère du fond du cœur que cette lettre t'a touché sans te faire trop mal.